Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être présents sur notre chaîne de la diversité spirituelle. Donc, la diversité spirituelle, c'est une association, c'est aussi une chaîne YouTube. C'est une association dont le président, d'ailleurs, est parmi nous, en la présence de Jean-Luc Martin-Lagardette, et qui a pour but de promouvoir la spiritualité dans la société, puisque nous sommes en fait tous reliés par l'esprit. Et donc, l'idée essentielle, voilà, c'est de promouvoir cette notion dans la société. Et alors, on le fait en interviewant des personnes qui ont chacun un parcours à décrire, une démarche spirituelle, dont ils nous expliquent déjà en quoi cette démarche leur a apporté un changement de point de vue sur la vie, sur l'environnement, sur les autres. Voilà, alors mon nom est Michel Raoust et je suis un des animateurs de cette chaîne avec plusieurs de mes collègues présents ici ce soir. Donc, ce soir, j'ai le grand plaisir de vous présenter une personnalité aux multiples facettes. Vous verrez après ma petite présentation que c'est vraiment le cas. Donc, il se nomme Didier Guéliègue. Alors, Didier est né en 1948 au sein d'une famille catholique. Il a reçu une éducation catholique qui ne l'a pas totalement satisfait et il a décidé d'entreprendre une recherche personnelle sur la spiritualité. Après ses études supérieures, il a débuté sa carrière dans l'industrie au sein de Marcel Dassault Aviation. Et c'est un collègue de travail qui lui a parlé des Rose-Croix. Donc Didier a adhéré à cet ordre à l'âge de 25 ans et dans cet ordre, il a pu trouver matière à nourrir sa soif de transcendance avec notamment l'étude de textes portant sur les plans physiques, mental et spirituel. Toutefois, donc il a arrêté ses études rosicruciennes au bout de 10 ans parce qu'il avait l'impression, c'est ce qu'il m'a dit, hein, de ne pas pouvoir maîtriser tout ce qu'il avait appris. Donc après, il a poursuivi une belle carrière dans l'industrie aéronautique. En 1989, il a été nommé directeur des ressources humaines pour l'ensemble du groupe aérospatial. Aérospatial, c'est quand même 110 000 salariés, donc c'est un poste très important, poste qu'il exercera jusqu'en 1996. En 1997, il a créé son propre cabinet de ressources humaines à Toulouse et à Paris, avec un fil directeur qui est la notion de service aux autres. Et puis, de 2008 à 2011, il a refait une incursion en milieu industriel, mais cette fois-ci pour conseiller plutôt une PME industrielle, donc une entreprise à taille beaucoup plus humaine, entre guillemets, que le groupe aérospatial qui avait 110 000 salariés. Voilà. Alors, Didier a découvert le concept d'intelligence émotionnelle en 2014. Donc, selon les psychologues Peter Salovey et John Mayer, l'intelligence émotionnelle réfère à la capacité de reconnaître, comprendre et maîtriser ses propres émotions et à composer avec les émotions des autres personnes. Donc, comprendre ses propres émotions et savoir composer avec les émotions des autres. Alors, Didier s'est passionné pour ce sujet et il a donné en Chine plusieurs conférences sur l'intelligence émotionnelle avec beaucoup de succès. Sur ce sujet, tu as publié 4 livres aux éditions L'Harmattan. Alors, l'intelligence émotionnelle en 2016, ensuite l'entreprise émotionnelle en 2017, maîtriser votre intelligence émotionnelle en 2018 et enfin, la retraite émotionnelle en 2022. Alors, en 2014, un livre t'a marqué profondément, qu'on a cité d'ailleurs dans l'article qui te présente, qui s'intitule La biologie des croyances par Bruce Linton. Et là, l'auteur, qui est médecin-chercheur en biologie cellulaire, explique que le cerveau n'est qu'un relais, analogue à un poste de télévision. Alors, c'est une image, donc, justement, qu'il a créée et qui a été reprise par d'autres auteurs par la suite. Mais c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous regardez un poste de télévision, bah, certes, vous avez des images, mais c'est pas dans le poste que les images sont créées, c'est par un programme qui est situé bien ailleurs. Et donc, pour le cerveau et la conscience, ça fonctionnerait un peu de la même manière. Le cerveau ne serait qu'un poste de télévision et la conscience se situerait sur un autre plan qui ne serait pas un plan matériel. Voilà, donc la conscience produit des images mentales qui, dans le cerveau, activent la fabrication de diverses substances endocrines qui sont transportées par le sang et qui vont à leur tour encourager ou inhiber l'expression des gènes et la division cellulaire. Et ça, c'est très important parce que ça signifie que ce n'est pas du tout le génome qui nous dirige, mais c'est au contraire la conscience, parce que la conscience, en fait, parvient à agir sur l'expression des gènes et sur la division cellulaire elle-même, ce qui fait qu'en fait, nous restons les maîtres de notre propre destinée. Voilà, alors par la suite, hein, l'importance de la conscience, l'importance des émotions, la nécessité de bien se nourrir et de mener une vie saine conduisent tout naturellement Didier vers la naturopathie.
Et après un diplôme obtenu dans ce domaine en 2019, Didier exerce aujourd'hui le métier de naturopathe au sein de son propre cabinet. Voilà. Et bien sûr, le sujet de la spiritualité continue à le passionner. Didier a par exemple recensé pour le site de la diversité spirituelle un ouvrage exceptionnel que je vous conseille, ami auditeur. Il faut que vous lisiez ce livre qui s'appelle « La nouvelle science de la conscience » et qui explique justement en quoi la conscience, et c'est démontré par les scientifiques, ne se situe pas dans un plan strictement matériel. Donc, je cède maintenant la parole à Didier pour qu'il nous explique son parcours et ce que la spiritualité a changé pour lui. Voilà, Didier, c'est à toi. Eh bien, écoute, merci. Bon, Michel l'a dit, il va peut-être y avoir quelques petites redites, mais bon, naissance en 1948, donc c'est pas d'hier. Dans une famille nombreuse, ça c'est pas neutre, puisque c'était une fratrie de 9 enfants, dont j'étais le dernier, et contrairement au proverbe, j'étais pas le plus gâté. Bon, et un élément favorable, qu'il faut avoir l'honnêteté de reconnaître, c'est une famille qui était bourgeoise, qui ne manquait pas de moyens, et notamment pour l'éducation. Ça me servira beaucoup par la suite. Alors, un premier signal qui m'a conduit très tôt, puisque j'avais 4 ans à la réflexion, à l'époque, une sœur handicapée frappée par une poliomyélite qui l'a rendue non-voyante et plus tard paralysée. Elle est décédée à l'âge de 18 ans et moi, j'en avais 4. Et c'est une première expérience qui m'a frappé de mort physique, absolument pas morbide d'ailleurs. Bon, même si j'ai eu du mal à comprendre que je ne la reverrai malheureusement plus jamais dans ce monde. Alors, conséquence de cela, c'est que mes parents et ma fratrie m'ont appris quand même très tôt ce qu'était la compassion et la notion de service, ce qui est quand même une chose importante quand on entame un parcours sur la spiritualité. Alors, il me restait une sœur qui sera avec ma mère et mon épouse, une accompagnatrice durant mon adolescence et ma vie d'adulte, et bon, qui elle-même était très pratiquante, donc qui a quand même attiré mon attention sur les aspects spirituels. Et son attitude, d'ailleurs, me suggérait souvent cette dimension. Alors, un deuxième signal portant, cette fois, peut-être pas sur la spiritualité, mais sur la relativité des relations sociales dans cette expérience spatio-temporelle que nous vivons, le divorce de mes parents. Bon, mon père était autoritaire, bon, tenant la famille d'une main de fer, il faut dire qu'avec 9 enfants, valait mieux. Et ma mère a toujours été très, très exigeante au plan intellectuel. De ce point de vue-là, je lui dois beaucoup. Même à l'oral, les fautes de français et la vulgarité n'étaient vraiment pas de mise. Alors à l'époque, il faut savoir que le divorce était considéré comme une faute tant par la loi que par l'Église catholique. Et bon, on m'a demandé de choisir entre mes deux parents, ce qui est absolument horrible. Et c'est ma mère qui a assuré mon éducation, me contentant de respecter, ce qui est une horrible expression, un droit de visite de mon père 2 fois par mois. Alors tout ça, ça explique quand même, vous allez dire, on est loin de la spiritualité. Oui et non, parce que ça explique quand même une prise de recul et une réflexion très tôt dans ma vie. Alors des moments forcément douloureux qui m'ont conduit à une recherche d'un certain sens de la vie. Alors, je souris parce que éducation catholique avec 11 ans dans un collège jésuite et 1 an en pension chez les frères des écoles chrétiennes. Alors, je vais peut-être vous surprendre, bon, parce que beaucoup ont le goût de dire « Ah ouais, c'était horrible », etc. Et moi, j'ai aucun regret parce que c'est quand même un environnement qui m'a donné le sens du collectif et une solide, j'espère, architecture intellectuelle. Ceci dit, on me disait qu'il n'y avait pas de salut en dehors de l'Église catholique, et je me suis très vite interrogé sur le dogme de la vie éternelle après seulement une vie terrestre. Forte interrogation, et ça produisait chez moi un blocage qui, au plan spirituel, m'a conduit plus tard à chercher d'autres voies. C'est quand même peut-être une retombée que je considère aujourd'hui comme très positive. Et quand je vois notre monde, on était quand même à une époque où on était quand même solidement formés. Bon, il m'en est resté quand même une chose, c'est un refus acharné de toute attitude dogmatique, et d'ailleurs pas seulement au plan spirituel. Pour être positif, un environnement qui donc m'a donné une certaine conscience de la spiritualité, tout en traçant les limites du dogmatisme et du volet
très sociale de la religion catholique. Ce n'est pas une critique, c'est un constat. Il suffit de lire l'histoire et on voit bien qu'il y a eu une forte implication. Alors, arrive 1973, année du premier contact avec la Morque, l'ancienne et mystique ordre des Rose-Croix. C'était une initiative discrète et dans un premier temps tout à fait anonyme d'un collègue de travail. Et très vite, bon, il en est résulté une modification de mon champ de conscience avec l'acquisition de connaissances sur les lois et la conscience universelle. Ça a été très important. Alors, j'ai eu le grand privilège d'être accompagné de parcours qui a quand même duré 10 ans, hein, le parcours général, d'être accompagné par mon épouse. Alors, comme l'a précisé Michel, après 10 ans, paradoxalement, je me sentais assez dépassé par toutes ces connaissances. Et j'ai estimé que mon niveau d'évolution intérieure n'était pas suffisant pour poursuivre le parcours. Peut-être que j'ai eu un peu peur par arriver à maîtriser tout ce que j'avais pu apprendre. Mais ça n'a en aucun cas été une rupture, hein. On peut dire que ça a été un différé. Mais la prise de conscience, elle était là, à la fois au plan physique, au plan psychique et surtout, bien évidemment, au plan spirituel. Pour comprendre bien là, ce que tu nous décris là, c'est-à-dire quoi, il y avait des exercices spirituels qu'on vous proposait et qui t'ont conduit à finalement décréter que tu n'étais pas vraiment prêt pour ça, ou comment ça s'est passé? Oui, alors il y a, sans révéler ce qui doit rester dans la discrétion de l'ordre, bon, il y a bien évidemment beaucoup d'exercices et pour chaque passage de degré, il y a une initiation. Bon, et c'est à l'occasion de ces exercices et de ces initiations que, après le parcours général, je me suis dit, faut peut-être attendre un peu, quoi, parce que j'étais peut-être pas encore suffisamment prêt. Mais oui, il y avait des expériences avec en plus une directive qui était de ne jamais admettre ce que l'on n'avait pas soi-même expérimenté, ce qui est, à mon avis, un principe très sain. Effectivement, le parcours d'acquisition de connaissances est jalonné d'expériences que l'on fait seul. Et puis, comme je l'ai précisé, au passage de chaque degré, il y avait la possibilité, qui n'était pas une obligation, mais d'avoir une initiation dans une des loges de l'ordre. Et avec mon épouse, on les a passées toutes les 10, quoi. Hein, voilà. Alors, une chose importante, la notion de service aux autres, bon, était quand même très, très présente dans le parcours d'acquisition de connaissances. Bon, et ça me servira bien évidemment dans mon métier de DRH avec l'écoute, l'empathie, le service vis-à-vis de l'entreprise et de ses salariés, et puis une volonté de donner un sens à tout ça. Hein, ce qui n'est pas toujours facile pour un DRH, parce que vous savez qu'un DRH, de temps en temps, il est obligé de choisir entre l'entreprise et ses salariés. C'est pas toujours très simple d'arriver à mettre en adéquation une attente individuelle et, enfin, d'ailleurs, c'est un peu bête ce que je dis parce qu'il suffit de regarder ce qui se passe en France aujourd'hui pour voir qu'entre l'individuel et le collectif, il y a souvent des ruptures. Bon, alors bien plus tard, en 2016, alors j'ai fait mon parcours qu'a décrit Michel en m'efforçant effectivement et en ayant quand même toujours présent à l'esprit cette conscience qu'il faut bien qualifier de mystique et de spirituelle. Hein. Alors bien évidemment, comme on dit pour l'éducation des enfants, la meilleure éducation, c'est pas le discours, c'est l'exemple. Alors, bien plus tard, mais vraiment bien plus tard, en 2016, les recherches sur l'intelligence émotionnelle me conduiront à la publication de livres. Bon, le plus important, c'est le premier. Alors, il a beau avoir été édité en 2016, je le trouve toujours très actuel, même si, bien évidemment, aujourd'hui, je l'enrichirai. Mais quand je me relis, je suis assez étonné à l'époque, d'avoir déjà dit autant de choses. J'ai l'impression que c'est un autre qui l'a écrit. C'est assez curieux comme impression. Est-ce que dans le livre « L'intelligence émotionnelle », tu décris par exemple des exercices à faire chez soi pour développer justement cette intelligence, mieux comprendre ses émotions et mieux comprendre les émotions des autres? Ça, c'est le troisième livre.
Mon éditeur, j'avais publié un premier livre sur In abstracto, l'intelligence émotionnelle. La deuxième, j'avais mon métier de DRH, alors je me suis dit, les collègues, il faut qu'ils aient conscience également qu'il y a une dimension collective dans l'entreprise à l'intelligence émotionnelle. Et donc, j'ai écrit un livre sur l'entreprise émotionnelle avec, pareil, un certain nombre de constats et de conseils. Et puis, mon éditeur m'a dit, tout ça, c'est bien gentil, mais il n'y a pas le mode d'emploi. Il me dit, faut vous mettre à bosser et puis vous nous sortez un troisième livre qui s'intitule « Maîtriser l'intelligence émotionnelle ». Alors, pourquoi j'en parle qu'à demi-mot? C'est que l'intelligence émotionnelle, pour arriver à un niveau de maîtrise satisfaisant, c'est de 12 à 18 mois. C'est pas intellectuel, c'est pratique. Ce livre, il donne des exercices quand même assez contraignants. Enfin, je suis certain que s'il y a des spécialistes de marketing, ils me diraient, effectivement, votre truc, c'est pas forcément vendeur. Il n'y a rien sans effort dans la vie. Et la maîtrise de l'intelligence émotionnelle, et c'est là qu'on rejoint la naturopathie, c'est que pour qu'elle soit optimisée, il faut un bon état physique. Le sommeil, la bonne santé avec une alimentation convenable, une hygiène mentale. Et là, on rejoint tout droit les préceptes de la naturopathie. Et ça explique que quand j'en discutais avec mon pharmacien qui était tout à fait passionné par l'intelligence émotionnelle, il m'a dit, vous devriez suivre une formation structurée en naturopathie parce qu'avec tout ce que vous me racontez, ça vaut la peine de faire un parcours et j'ai repris des allures de potache à 72 ans quoi pour reçu une formation structurée avec des devoirs sur table etc. Comme l'humilité c'est quand même la vertu de tous les chercheurs, je vous dirai pas la moyenne que j'ai eue in fine, mais enfin j'étais assez content quand même. La lecture, effectivement, on en a parlé, de la biologie des croyances de Bruce Lipton a été vraiment un très très puissant révélateur. Alors, comment je l'ai connu? C'est tout simplement mon médecin traitant, enfin ma médecin, qui me dit j'ai lu un livre absolument passionnant, compte tenu de ce que vous me dites là, ça va peut-être vous intéresser. Et j'ai été littéralement captivé par l'expertise déjà sur un plan biologique de Bruce Lipton, et puis ensuite par son envolée où quand il explique comment scientifiquement fonctionne la membrane de chacune de nos milliards de cellules, il s'est aperçu qu'il y avait un signal qui venait d'ailleurs. Alors, c'est là qu'il a développé la fameuse image du poste de télévision, c'est que votre cerveau, s'il est comme votre téléviseur, si à un moment donné il est cassé, ça n'empêche pas au signal d'exister, mais il vient d'ailleurs. Et là, c'est un grand, grand point d'interrogation qui forcément m'a interpellé et m'a amené à travailler beaucoup sur la conscience, la localisation de la conscience. Et alors là, automatiquement, si je puis dire, quand on est honnête intellectuellement, on se retrouve sur le chemin spirituel et mystique, clairement. Alors, à noter quand même que cet expert de la biologie, qui était athée, est devenu un fervent croyant d'une vie spirituelle. La naturopathie, les études sur le cerveau, son fonctionnement, où la vie ne manque pas d'humour, parce qu'on a eu tous nos grands politiques américains, européens, et bien sûr du CNRS, qui se sont dit, vous inquiétez pas les gars, on va régler le problème, on va faire une modélisation informatique et puis on va comprendre le fonctionnement de tout ça et comprenant le fonctionnement, on arrivera à le localiser. Alors, je vous signale que déjà pour la modélisation informatique, elle devait être terminée au bout de 12 ans, elle l'est toujours pas, tellement avec le connectome, c'est-à-dire tous les réseaux qu'il y a dans le cerveau, c'est extrêmement complexe parce qu'en plus c'est vivant. Les connexions, elles se font jour le jour et pour aller modéliser tout ça, c'est-à-dire que c'est loin d'être simple. Alors, le cerveau, son fonctionnement, la biologie cellulaire,
la physique quantique, qui est un sujet très complexe. On pourrait en faire une conférence, mais c'est un sujet complexe parce qu'on n'a pas toutes les facultés mentales nous permettant une bonne représentation de tous les aspects de la physique quantique. Mais enfin, on voit bien que il se passe quelque chose là et que la cinquième dimension, bon, elle est quand même dans ce secteur. Alors, actuellement, je suis en train de travailler sur ce sujet parce que je suis certain que ça va renforcer les aspects spirituels de mes recherches. Hein. Voilà, alors, tout cet ensemble, alors ça, je trouve ça absolument passionnant. On dirait que c'est un peu un puzzle qui est en train de se reconstituer. Ça a confirmé ce que j'avais appris très jeune dans les études rosicruciennes. Alors ça, c'est quand même assez fabuleux, si vous voulez, de voir 30 ans ou 40 ans après que la science, petit à petit, finalement, remet sur la table des connaissances que j'avais à disposition, notamment dans le domaine de la santé, par mes études rosicruciennes. Bon, et donc, si vous voulez, la science de la conscience, je suis désolé d'utiliser le titre du bouquin, m'a conduit directement à un cheminement spirituel. Alors, la synergie entre tous ces domaines est croissante, bon, ce qui fait que j'ai l'impression aussi que au niveau de mes connaissances et de mon cheminement, ben, tout ça, c'est très vivant et aucune journée ne ressemble à une autre. Bon, et c'est très naturellement que j'ai repris les études rosicruciennes en février 2020, donc vous voyez, c'est relativement récent, afin de poursuivre au mieux ce voyage vers la spiritualité, parce que maintenant, je me sens plus prêt et plus disponible. Hein, donc, le pôle se reconstitue, mais alors, il y a quelque chose de très frustrant, c'est que plus vous en apprenez, plus vous voyez que le champ des investigations à faire s'agrandit. Hein. C'est-à-dire, c'est un peu comme une vis sans fin. Alors, on est à une époque où la science post-matérialiste commence à faire son apparition, bon, apportant les preuves d'une localisation spirituelle de la conscience, notamment avec un point sur lequel j'insisterai beaucoup, avec les EMI, c'est-à-dire les expériences de mort imminente. Alors là, c'est très, très, très troublant. Ces expériences, les témoignages venant de ces expériences, finalement, proviennent de personnes extrêmement diverses à tous les points de vue. D'un point de vue culturel, d'un point de vue même géographique, d'un point de vue intellectuel, et on voit qu'il y a un dénominateur commun. Et là, c'est quand même quelque chose. Bon, alors le dénominateur commun, c'est pas le sujet de la soirée, mais bon, on peut dire que ce qu'ont vécu ces gens, les sensations qu'ils ont eues d'une réalité plus réelle, la réalité spatio-temporelle dans laquelle nous vivons, le bouleversement qu'ils ont eu dans leur vie après, hein, sur l'échelle des valeurs. Et tout ça conduit à ce que la conscience soit considérée comme le signal spirituel le plus puissant, aussi bien de la biologie cellulaire à la cosmologie. Alors, tout n'est pas à bannir, loin s'en faut, dans les préceptes des religions. Et là, je passe un autre message, c'est quand on vous dit ce qui est grand et comme ce qui est petit, ce qui est dans les évangiles, finalement, c'est une manière de dire que les lois universelles, elles s'appliquent partout. Et quelle que soit l'échelle, ce sont les mêmes. Et on va de la petite cellule à l'univers dans toute sa grandeur. Et on s'aperçoit que finalement, qu'il s'agisse d'une partie de la cellule avec les électrons qui vont se balader avec ce qu'on appelle l'intrication quantique, on a un peu la même chose avec les systèmes de galaxies et autres. C'est quand même absolument troublant de voir qu'il y a ce type de réalité. Alors, la science matérialiste s'est efforcée depuis de nombreuses années de localiser la conscience dans le cerveau sans succès. Alors, j'irais même un petit peu méchamment aujourd'hui, ça me fait même rigoler, quoi, parce que bon, ils peuvent toujours continuer à chercher, bon courage. Alors, la philosophie aussi, hein, qu'il faut pas sous-estimer, avec bien des difficultés à s'être efforcée de chercher un sens à la vie, hein. Vous prenez quelqu'un comme Jung, par exemple, bon, pour ne citer que lui, mais quand on fait la synthèse de tout ça, c'est quand même bien la spiritualité qui apporte la moisson la plus fertile pour avoir des débuts de réponse aux questions. Alors, je dis des débuts de réponse parce que, attendez, c'est pas moi qui vous dirai ce soir que hein, j'ai les réponses à toutes les questions que je me pose. Hein, loin s'en faut, et heureusement d'ailleurs. Autre message
issue de la spiritualité, ça m'a fait comprendre une chose, c'est que pourquoi nous sommes bloqués dans un hermétisme biologique et avec une conscience qui est limitée à notre expérience spatio-temporelle, eh ben, la spiritualité indique bien que finalement, pour que cette expérience soit valable dans le chemin d'une évolution spirituelle, ben, il ne faut pas connaître toutes les règles du jeu, parce que si vous connaissez le point d'arrivée, ben, automatiquement, vous allez vous reconditionner et l'expérience par elle-même sera modifiée. Alors là, on rejoint encore un autre principe du quantique, hein, c'est que le quantique vous explique bien, contrairement à Newton, que c'est bien l'observateur qui modifie la réalité. Hein. Bon, on sait que, par exemple, il suffit de regarder un électron pour que ce soit plus le même emplacement et plus le même endroit, voire quelquefois même pas le même électron. Donc, bon, une image que j'apprécie particulièrement dans le domaine spirituel, c'est que finalement, notre conscience individuelle ressemblerait en quelque sorte à une vague dans la mer. Bon, et le chemin de notre évolution spirituelle va conduire cette vague à se refondre à terme avec la mer qui représenterait en quelque sorte la conscience universelle. Hein, je trouve que c'est une image qui est intéressante. Spirituellement, on voit que l'intelligence de la vie n'est pas dans le mental, mais dans l'esprit. Il est bien évident que chacune et chacun, nous avons des itinéraires tout à fait spécifiques. Bon, et qu'il n'y a pas d'exclusive, hein, car chacun doit mener sa voie et les différents chemins mènent tous à la lumière, hein, comme l'on dit. Un petit peu à l'identique de la lumière blanche qui se décompose en différentes couleurs quand vous la faites passer à travers un prisme. Pour ton parcours personnel, qu'est-ce que cette cinquième dimension dont tu parles t'a apporté dans la formation de ton être intérieur ? C'est pas une question facile, hein, mais bon, je vais quand même y répondre. Bon, la réponse déjà, la première réponse, c'est oui. Oui, ça m'a profondément transformé dans ma façon, d'une part, de voir les gens et donc dans la façon dont j'entretiens les relations. Ça m'a énormément changé également sur la façon de voir la vie avec le sens qu'on peut lui donner. Bon, je sais pertinemment aujourd'hui que ma conscience a fait que je me suis incarné dans une expérience spatio-temporelle. Bon, mais que c'est un passage, que ce passage, on essaie d'y trouver un sens pour parfaire son évolution. Donc, changement de rapport avec les gens, changement de rapport avec la vie elle-même et forcément changement de comportement. Alors, je dirais probablement la transformation la plus profonde est arrivée relativement tardivement lorsque je me suis trouvé sans enjeu vraiment fort au plan professionnel. Hein, c'est-à-dire que là, on prend le recul, on analyse qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, bon, finalement, pourquoi ça s'est passé comme ça, qu'est-ce que j'ai pu générer de bien, qu'est-ce que j'ai pu générer qui, à mon avis, se met en travers d'une évolution spirituelle digne de ce nom. Bon, et c'est vrai que de ce point de vue-là, la retraite est un moment privilégié. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cette intuition aujourd'hui que plus que jamais, je dois profiter de ce temps libre que j'ai pour parfaire mes connaissances et ces connaissances m'amenant à aller beaucoup plus loin sur un plan spirituel. Je ne sais pas trop comment vous le dire. Enfin, c'est comme ça que je le vis aujourd'hui. Autrement dit, j'ai un petit poster qui tous les matins me dit « perds pas de temps parce que ton temps est limité et tout ce que tu arriveras à améliorer au plan spirituel dans cette incarnation présente, c'est quand même du temps de gagner pour la suite ». Bon, et donc j'ai, pour être tout à fait honnête avec vous, franchement conscience que ma conscience terrestre est très limitée, qu'elle n'est que l'expression d'une autre conscience qui est ailleurs, mais malheureusement, j'y ai pas accès. Alors, je vais vous faire une confidence quand même, parce que c'est une expérience qui a été frappante et qui n'a rien à voir avec les études que j'ai faites. C'est que j'ai un souvenir extrêmement prégnant. Alors, est-ce que c'était 15 jours, 3 semaines, 4 semaines après ma naissance, j'en sais rien, mais j'ai un souvenir d'avoir eu une conscience aiguë et intelligente
Et je me rappelle très très bien d'avoir vu ma mère qui était avec une de ses amies venir voir le berceau où j'étais. Et je me sentais extrêmement intelligent par rapport aux commentaires de ces deux femmes à un niveau tout à fait autre. Et c'est très curieux parce que, attendez, aujourd'hui, je vais arriver quand même à 75 printemps. Je me rappelle, mais comme si c'était d'hier, de ce moment que j'ai vécu. Alors, est-ce que il y a eu un phénomène de rémanence hein, de la conscience qui était ailleurs hein, et on rejoint là aussi un certain nombre de témoignages de gens qui ont vécu une expérience de mort imminente en disant, mais qu'est-ce que j'étais bien quand j'étais désincarné, je me sentais beaucoup plus intelligent, j'avais des tas de connaissances que... j'ai pas sur Terre. Finalement, c'est tellement bien et tout ça, c'est rempli d'amour vis-à-vis des autres schémas de conscience et j'ai pas envie de revenir. Bon, et là, pour la plupart d'entre eux, dans les témoignages, on leur dit, écoutez, c'est quand même dans la loi de l'évolution. Et ce qui est assez frappant, c'est qu'il y a une très grande majorité des gens qui ont une expérience de mort imminente, qui acceptent un peu à contre-cœur, mais qui acceptent de revenir à la vie terrestre. Bon, et d'autres qui n'ont absolument aucune envie, d'après ce que j'ai compris, d'après les témoignages, on leur a pas donné tellement de choix. Hein, mais et ça fait partie aussi, on peut le dire, des connaissances que les études rosicruciennes m'ont données. On se réincarne pour poursuivre son évolution, mais jamais de gaieté de cœur. Et la réincarnation est une souffrance au niveau de la conscience qui est au moins égale, si ce n'est supérieure, à celle que l'on peut avoir à la veille de sa mort physique. Tu parlais tout à l'heure, quand tu parlais de ton livre, tu disais que quand tu le relis aujourd'hui, tu te dis « mais j'ai même l'impression que c'est un autre qui l'a écrit ». Mais est-ce que c'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste, hein, c'est que indiscutablement, à un moment donné, bon, j'ai tenu la plume, mais c'était ma conscience d'ailleurs qui probablement me donnait des bonnes idées, quoi, hein, très très probablement. Est-ce que ça ne n'est pas, comment dire, comme un indice, une proposition, une suggestion pour s'intéresser justement à cette source qui nous habite et qui se manifeste par nous, parfois, sans qu'on en ait conscience. Est-ce que tu en as une idée personnelle? Est-ce que cet esprit, cette superconscience, est-ce qu'elle a une dimension de présence? La réponse est oui. Alors, justement, tu anticipes sur ce que j'allais dire, mais la réponse est oui. Et s'il y a bien une chose que j'ai comprise dans la mission que je dois tenir, c'est surtout de continuer à écrire. C'est que, bon, très modestement, hein, ça pourrait être le voisin, je dirais la même chose de lui, j'ai beaucoup de facilité pour écrire convenablement. Et je pense que c'est cette conscience supérieure qui me dit, bon, ben, ouvre-moi la porte en tenant la plume et je filerai des idées, quoi. Hein. Bon, en réalité, c'est le même, mais qui est situé ailleurs.